Là, c'est sûr qu'il va falloir redécorer. Mais évidemment, mon amour. Justin! Albert! Chérie, je te présente Albert. Bonjour. C'est le maître d'hôtel du 24 Sussex Drive. J'avais votre mari d'un bras. Il était pas plus gros que ça, madame. C'est vrai. Bon retour, Justin. Merci. Et bienvenue à la première dame du Canada. Ah, mon Dieu, j'en reviens pas d'être ça. Il y a un proverbe anglais qui dit que la dame du premier ministre, c'est la dame de Dieu. Pour vrai? The goddamn prime minister. Albert, est-ce qu'il y a bien des choses qui ont changé ici? Ou... Oui, regardez, le panneau d'accès au contrôle est ici. Ah, d'accord. Alors, en attendant, je vous ai donné un code. J'ai mis ton prénom puis les initiales de ton père. Justin Pett. C'est ça, tu pourras le changer. Oui, oui, parce que... Puis est-ce que tu veux... On dirait la réponse à la question « Qu'est-ce que tu fais en dessous des couvertes, mon estime? » Est-ce que tu veux que je fasse visiter à madame? Ah, oh, oui. Bon, et toute la nuit, elle m'a dit « J'ai hâte de voir ce sexe, j'ai hâte de voir ce sexe. » Pourquoi vous n'avez pas allumé la lumière? Albert, sacré blagueur. OK, puis le Wi-Fi est ici, Justin. OK. C'est le plus important. Je me demande, avec toutes les décisions rapides que je vais devoir prendre, si je vais utiliser le Wi-Fi ou le je sais pas quoi faire. Vous pouvez jaser ensemble, je vais faire le tour un petit peu. Vous êtes chez vous, madame. Albert, je suis content de te voir. Ah, t'es encore mon petit bonhomme. Ah oui, c'est... Lâche-moi les titres. Je me souviens-tu de la chanson qu'on te chantait, moi puis ton père? Oui. C'est la guille du gros pète, c'est la guille du gros pète, c'est la guille du gros pète, c'est la guille du gros pète. Je m'en souviens parfaitement. Comme ça, tu feras pas de péage sur le pont Champlain? Non, c'est pas ça que j'ai dit, Albert. Ben oui? J'ai dit qu'il n'y aura pas de plage sur le pont Champlain. Ben non. Oui, ben parce que je veux pas que les gens reçoivent des parasols dans le windshield. Ah, tu joues déjà avec les mots, mon petit bleu. T'es comme ton père. Non, j'aime plus ça, les titres, Albert. Et qu'est-ce que tu vas faire avec le mouvement souverainiste? Ah, voyons, le mouvement souverainiste, c'est plus très hot. Ben voyons. Regarde, je pense que le mouvement de la flexion du genou dans le mauvais sens a plus de popularité. C'est pas sérieux. Ah, sorry. Non, vas-y, je vais aller porter vos bagages. Tiens, Denis Coderre. Félicitations, mon Justin. T'es tellement gentil, je savais que t'appellerais. Écoute, ça doit te faire quelque chose d'entrer dans cette maison-là. Tu dis, toi. Écoute, t'as été là en couche. Ben oui, c'est-tu incroyable, hein, l'histoire. En parlant de couche. Bon, je savais que tu trouverais un angle pour parler du déversement des égouts, mais c'est parce que là. Justin, je sais que j'appelle vite, mais c'est tellement urgent. Mais si tu savais combien j'ai de dossiers. Je le sais. Les pipelines, les. Oui, mais les pipelines. Un petit peu. Quoi? Denis. Ben quoi? On fait les pipelines puis on déverse tes égouts dedans. Non, Justin, hein? Tu peux pas mixer ça avec le pétrole. Ben oui, du méthane, ça brûle. Ben oui, mais... T'as jamais fait flamber un pet? Dis-moi pas que tu mettais le feu après ton pain.